Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série documentaire. Cette année, à l'occasion du 375e anniversaire de la ville de Montréal, nous aimerions vous faire connaître ou redécouvrir l'histoire de ces grands pionniers qui ont pensé et fondé la ville au sans-clocher. Ils étaient laïcs, entrepreneurs, religieux, infirmiers, enseignants, militaires. Ces hommes et ces femmes courageux se sont donnés corps et âme dans la réalisation de leurs rêves. Sur les traces des pionniers, une série proposée par les jeunes de la paroisse Saint-Jean-Baptiste et la télévision Celles et Lumières. La ville de Montréal telle que nous la connaissons est le fruit d'un héritage de près de 400 ans. À l'origine de cette histoire, il y a la rencontre de deux cultures. Pour nous en parler, nous avons rencontré le père Jacques Monette, historien aux Archives nationales des Jésuites du Canada. Nous allons découvrir avec lui le rôle majeur d'un des premiers pionniers à s'être lancé dans cette aventure. Saint-Jean de Brébeuf est le mieux connu de tous les Jésuites qui sont venus en Nouvelle-France. Un parmi les premiers arrivés en 1625. Son enthousiasme pour la Nouvelle-France, c'était la conversion des Amérindiens et plus précisément les Hurons. Champlain avait fait un traité avec les Hurons. Une partie de l'entente avec Champlain, c'était que les Hurons accueilleraient des missionnaires. Mais pourquoi les Français missionnaires voulaient changer le mode de vie des Amérindiens? Pourquoi ils voulaient les convertir? Je ne dirais pas autant le mode de vie, mais ils voulaient leur amener le message du Christ, les Jésuites particulièrement, mais l'ensemble des chrétiens veut transmettre la foi aux autres. On ne serait pas là si, à partir des premiers chrétiens, il n'y avait pas de gens qui voulaient transmettre la foi aux autres. Lorsque Brébeuf arrive en Huronie, il est touché par la foi des Amérindiens. Il a pour point commun avec eux de voir Dieu dans la nature. Pendant près de 15 ans, il vivra parmi eux, étant ainsi l'un des premiers à apprendre leur langue et à la transmettre aux autres missionnaires. Et une des grandes questions entre les missionnaires, c'était à savoir si les missionnaires devraient vivre dans les villages amérindiens ou bien de leur apprendre à vivre comme les Européens. Saint-Jean de Brébeuf était un grand partisan de l'option de vivre parmi les Amérindiens. Brébeuf fut reconnu par les Amérindiens comme l'un des grands chefs de la nation Huron. Or, Iroquois et Hurons menaient alors une guerre impitoyable pour le commerce des fourrures. Et quand les Iroquois ont envahi la Huronie en 1649, Brébeuf et plusieurs de ses compagnons ont été capturés, torturés et exécutés. On a prouvé qu'il était mort pour la foi. C'est ce qui en faisait un martyr. La génération présente est héritière de beaucoup de l'activité des missionnaires et de nos ancêtres canadiens-français qui ont appris à vivre avec les Amérindiens et d'adapter beaucoup de leurs coutumes, en fait. Et donc, comment les communications se faisaient entre le Canada et la France à cette époque-là? C'était les missionnaires français qui écrivaient et qui envoyaient leurs écrits en France? Le supérieur des Jésuites au Canada, à tous les ans, à partir de 1632, écrivait un rapport annuel de ce que faisaient les missionnaires au Canada. Le titre de son message, c'était « Relation de ce qui s'est passé en Nouvelle-France en l'année 1632-1633 ». C'est parmi les documents fondateurs du Canada, ce qu'on connaît de l'histoire du Canada. C'est devenu des best-sellers. Les gens étaient vraiment intéressés. Par le biais de ces témoignages, les missionnaires jésuites deviennent les premiers promoteurs de la Fondation de Montréal. Parmi ses lecteurs, un certain Jérôme Le Royer de la Dauversière va voir sa vie bouleversée par cette aventure. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode sur les traces des pionniers.